Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que nous en forme. Dans la vidéo, ça, nous pouvons faire exercice chimie ça que nous avons regardé là. Nous avons fait un exercice chimie ça. C'est très facile, mais pourtant, parfois, il y a des gens qui négligent parce que c'est dans le commencement chimie. Donc, nous pouvons résoudre ça ensemble avec moi. Et ensuite, je vais mettre l'autre exercice que vous faites sur le bac permanent pour nous capables de faire pratique nous-mêmes. Si nous avons besoin d'aide, pas hésiter à dire ça dans les commentaires. Ensuite, je vais quitter contact moi si vous avez besoin d'autres exercices toujours, qui a besoin d'examen passé. Et déjà, je vais dire un grand merci à chaque grand abonné, à chaque monde qui toujours quitté un commentaire, un encouragement pour moi. On love. J'en ai exo ça, même, vous pas mando comme si pour ta faire donner. Vous pas exige ça. Mais moi-même, je mets des informations là, juste pour nous capables et pour nous capables de comprendre plus bien. Quand il bagaille demande nous c'est masse molaire monomère. Donc, il ban nous un polymère. Nous connaissons un polymère lui-même, c'est un corps qui constitué de plusieurs monomères. C'est-à-dire c'est polymérisation au fait qui fait venir un polymère. Donc, pour nous capable joindre masse monomère là, c'est très simple. N'a seulement prendre masse polymère là, nous diviser par indice là. C'est tout simplement ça, OK? Donc, nous rien n'a pas mettre comme formule, nous juste mettre masse monomère égale masse polymère à diviser par n qui c'est indice là et bien absolument remplacer par valeur pour nous capable de une masse monomère là. Masse polymère là c'était 31250 donc nous remplacer et puis indice là c'était n qui égale avec 500 nous remplacer lorsque nous fait division nous joindre masse monomère là égale 62.5 et puis grammes puisque c'était masse et bien là nous encadrer. Dans le numéro 2 en lui-même, il dit nous, il ban nous pourcentage carbone, il ban nous pourcentage hydrogène, il ban nous pourcentage chlore. Et puis il dit nous pour nous joindre formule brute, formule semi-développée. Et bien là pour nous joindre et formule brute là, nous va servir ensemble avec pourcentage. Donc masse monomère là nous joindre dans la lui-même, ça c'est masse 100%. Et bien qui ça me va le faire? On va chercher masse pour pourcentage nombre de carbone là, on va chercher masse pour pourcentage hydrogène là, ensuite on va chercher masse pour pourcentage chlore. Là, nous dit, trouvons la formule moléculaire brute. Donc, là, je vais désigner la formule brute, sous l'autre forme, avant que je joigne tout ça que j'ai besoin. Donc, je vais parler de qui ça? Là, je vais gagner 3 constituants. Et bien, par contre, combien d'atomes de carbone que j'ai gagné, même le pourcentage, là. Par contre, combien d'atomes d'hydrogène, combien d'atomes de chlore, même le pourcentage pour chaque. Et bien, qui ça m'a fait? M'a dit, formule moléculaire brute, elle est sous forme CX, H, Y, et puis, CL, Z. Ça veut dire, par contre, combien d'indices carbone gagne, indice hydrogène, indice chlore. Et bien, qu'on y a qui ça me va le faire, m'a capable de joindre par rapport ensemble avec pourcentage. Et bien, nous allons chercher combien masse carbone que nous gagne. Et bien, nous dit, cherchons la masse du carbone pour 38.4% puisque c'est ça que nous gagne. Pas oublier, moi dis nous, masse ça, c'est masse 100%. C'est-à-dire, c'est masse toute molaire, moléculaire, courant. N'a dit si. Ok? Si 100%. C'est lui-même qui 62.5 grammes. Eh bien, pour 38.4%, ok, il a gagné MC. Donc, on mettait MC juste qui vous identifie, c'est masse carbone. Là, on a fait produit croisé. Mais ça qui fait, nous pouvons gagner masse carbone qui est égale. Donc, c'est 38.4% à multiplier par 62.5. À multiplier par 62.5 et puis à diviser par 100. OK? Qu'on a là nous va venir joindre masse carbone qui égale 24 grammes. Donc 24 grammes ça signifie que moi gagne 24 grammes carbone dans formule brute moi. Ah ben si moi gagne 24 grammes on connaît masse atomique carbone égale ensemble avec 12, ça signifie que moi gagne 2 atomes de carbone. Pour m'ta joindre x, c'est 24 là m'ta prend m'a diviser par masse atomique carbone là pour capable joindre nombre atomes de carbone que m'gain là. Et bien lorsque moi fait pour m'ta dit x, m'ta dit x égal, OK? C'est masse carbone à diviser par maman. OK. Maman. À diviser par 12 qui c'est masse atomique carbone. Et bien là, nous gétan ouais, j'aime dire nous x a égal ensemble avec 2. Pour hydrogène nous-mêmes, n'a fait de même. Donc, pas oublier, pourcentage par là, c'est 4.8. Donc, moi, je dis, cherchons la masse d'hydrogène pour 4.8%. Eh bien, n'a fait même bagarre là. N'a dit 6%
nous gagnons 62,5 grammes. Et bien pour 4,8%, nous avons MH. Donc, pour identifier ces masses hydrogène. Et bien là, ça qui fait nous allons gagner MH qui est égal 4,8 à multiplier par 62,5. À diviser par 100. Eh bien, nous allons gagner MH qui égale 3 grammes. C'est-à-dire, nous gagnons 3 atomes d'hydrogène puisque nous connaissons masse atomique d'hydrogène, c'est 1. Eh bien, pour m'ajouter Y là, donc, pas oublier, c'est X, Y, Z que nous avons besoin. Pour m'ajouter Y là, c'est toute masse hydrogène que nous avons à diviser par masse atomique d'hydrogène qui c'est 1. Donc, là, nous avons ouais Y a égal ensemble avec 1, puisque nous connaissons masse atomique hydrogène égale à 1. Et bien là, nous avons tout dit, Y égale avec 1. Et qu'on a nous été seulement chlore, donc pourcentage par là, c'est 56,8%. Et bien, nous allons faire de même, genre que nous faisons pour carbone et puis hydrogène. Et bien, nous avons fait même bagarre là, nous avons dit si 100% li bay 62,5 grammes, et bien pour 56,8%, nous gagné MCL. Donc, qui vous identifie, c'est masse chlore. Et bien là, nous allons gagner MCL qui égale 56,8 à multiplier par 62,5 à diviser par 100. Ok? Et bien, nous allons gagner MCL égal 35,5 grammes, je crois. Et bien là, nous jouons masse chlore, 35,5 grammes. Nan. Ça signifie que nous gagnons un atome de chlore. Pas oublier masse atomique. Chlore, c'est 35,5. Et bien là, si nous jouons masse 56,8% égale 35,5, et bien là, ça signifie que nous tout gagnons Z qui égale ensemble avec 1 aussi. Et bien, nous avons tout dit Z égale avec 1. Pas oublier ces formules bout là, nous tape chercher. Formule bout là, t'es sous forme CX, HY, CZ. Nous gagnons X qui égale avec 2. Nous gagnons Y qui égale ensemble égale avec 3. Oh, désolé, donc c'est 1 qui me démette. Donc, bon, c'est n'a voué ça. Désolé. Et puis, nous gagnons Z lui-même qui égale avec T, 2, H, 3, CL. Nous mettez FB devant. Ok? Nous passons des traits. Bon, on va encadrer. Ensuite, on te dit nous pour nous bail formule semi-développée. Eh bien, petit B1, tu parles nous de formule semi-développée, hein, c'est CH2 double liaison CHCl. Quoi ça relé chlorure de vinyle. Ok? Chlorure de vinyle. Comme étant donné nous gagnons pas jeune ni tout temps, donc pour nous jouer une formule semi-développée, m'tap conseiller nous faire formule développée avant. OK? Donc pour nous capable jouer comment formule semi-développée à pied. Donc parce que tout quoi yo pas même yo gagnons ba ou l'autre corps sous même forme exercice ça, yo mande ou même bagage là, OK? Donc m'espère nous wè qui ça me l'a dit nous. Eh bien, m'espère nous garder vidéo jusqu'à la fin. On dit nous merci, one love, partager vidéo, like vidéo s'il fait nous plaisir.